Yomina, c'est Maître Adrien, on se retrouve pour la suite de notre respect, et cette fois-ci avec de retour avec un micro. Oui, avec un micro, oui. Alors, nous sommes à l'épisode 17. Alors, pour avant de continuer l'histoire, j'ai refait les petites quêtes à côté, où c'est on doit retrouver des objets. Je me suis dit, on se fait les 6, attends, 3, 4, 5, 6, on se fait les 8, et on continuerait l'histoire, et je pense qu'on laissera de côté après ces quêtes-là, parce que ça se trouve, au final, il y en a des choses que j'ai vues qui sont répétitifs. Ok, donc client c'est Wormone, Akulu niveau 3, et en gros, il a perdu un objet. Toute façon, ça va être ça. C'est je perds des objets. Toute façon, c'est le but de détective. Vous allez vous dire, ouais, ça n'a rien à voir. Pourquoi tu dois trouver des objets? Et si un détective doit retrouver les objets perdus? Donc, ça a totalement à voir avec le jeu. J'ai perdu mon précieux. Il a disparu. Disparu. C'est vraiment mauvais. Vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Et ça me fait beaucoup de mal. Je l'ai perdu dans les alentours de Kulun niveau 3. Ceci est une terrible situation. S'il te plaît, détective, j'ai besoin de toi pour aller le chercher pour moi. Rapidement, reviens me voir dès que tu l'as trouvé. S'il te plaît, trouve-le. Ok, allons trouver ton précieux. Où peut se trouver le précieux de ce petit Wormone? Déjà, il est pas vers là. Toi, dégage. Donc, ils vont être faciles à vaincre parce que j'ai largement le niveau. Donc, mais bon, on va prendre l'XP que ça donne. Je suis pas contre. Voilà. Metal Greymon et mon méga Kabuterimon ont digivolvé. Ok, ont digivolvé. Oh, j'ai dit la merde déjà. Ont EP de niveau. Voilà. Est-ce que tu vas mourir? Non, tu ne meurs pas. Bon bah c'est Metal Greymon qui va t'achever avec une attaque basique. Oui, parce que j'entraîne Wormone. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, à part si vous l'avez pas regardé, car j'ai pas commenté, donc après je peux comprendre, mais il y avait quand même le combat contre un boss Digimon qui était quand même Clockmon. Donc au pire c'était plus intéressant de la vidéo pour ceux qui ne voulaient pas lire. Mais si vous n'avez pas complètement regardé la vidéo et que vous vous intéressez parce que ça n'était pas commenté, tout simplement j'ai un Wormone, car je vais essayer d'avoir Stingmon pour après de voir comment faire pour essayer d'avoir un Peldramon. Donc un Peldramon, je pense qu'il nous faudra un Vimon pour le mettre en ex-Vimon et ensuite l'avoir pour le digivolver. Pour une digivolution DNA, donc une digivolution ADN. Et des fois, je me demande vraiment si je dois me faire un deuxième Platinum Sukamon, on verra ça. Voire trois Platinum Sukamon. Parce que donner de l'XP quasi x2, alors si j'en ai encore un autre à côté, et si j'en ai encore un autre à côté, ça peut être quelque chose de assez cool. Patatmon, t'es fini. Toyagimon, c'est le plus costaud après. Allez. Voilà. Une auto-attaque basique. Voilà. Niveau 35 pour Platinum Sukamon, c'est nickel. Oui, j'avais pas continué les cyber slots. Bah après, le temps entre-temps de retrouver un casque. Bon, je vais essayer d'en trouver un meilleur, mais ça, c'est un. Donc, je l'ai appelé le casque. Le casque temporaire. Et j'étais à fond sur, comme vous avez vu, sur Digimon Adventure. Donc ce qui est un peu normal et je l'ai énormément squatté. Voilà, je voulais. À l'heure actuelle, vous avez vu que c'est quasi la fin. Il y aura des quêtes annexes, je pense. S'il y en a,
je les ferai. Et au pire des cas, bah, on se lancera full Cyberslot. Mais vraiment full. J'essaierai d'en publier entre 1 et 3 épisodes par semaine. Ça préfère le temps du montage et tout. De raccorder, de le faire au bon moment. Et peut-être contre temps, j'aurais lancé un autre let's play. Je sais pas. Mais comme avait demandé Dracovien, je crois que c'est ça. Hein, qui commente énormément mes vidéos Digimon pour le moment. Comme j'avais dit que j'allais pas laisser ton. J'allais continuer sur d'autres jeux Digimon. Après voir les certains, s'il y en a qui sont juste des petits jeux de baston. Ou les comme style Digimon Racing, le jeu Digimon voiture. Le faire uniquement en mode détente. J'avais commencé mon. J'avais commencé un let's play. Enfin, c'était plutôt un détente et puis de savoir. Et une vidéo découverte, c'était sur Digimon Redigitize. Donc celui qui était sorti sur PSP. Après, il y en a eu un autre, c'était Digimon Redigitize Decode. Decoded ou Decode. Qui est sorti sur 3DS. J'ai été surpris de voir qu'il y en avait. Ah bah, c'était ça. Qui était sur 3DS. Je me suis dit, ok, bon. Mais sinon, je compte énormément faire sur Digimon World obligatoire. C'est le jeu de mon enfance. Donc si vous êtes abonné à ma chaîne pour les multitudes du jeu, tant mieux. Si vous êtes abonné à ma chaîne pour voir du... des Digimon et que vous avez peur que j'arrête après. Non, non, la Digimon, ça va continuer, ça va continuer, ça va continuer. Bah, jusqu'à un temps aussi, un jour, je fais toutes les vies et tous les jeux. Je pourrais plus, hein. Faudrait attendre qu'il y ait des nouveaux jeux sortis. Parce qu'il n'y a pas d'émulateur sur la PS Vita pour le jeu Digimon World. Next Order, qui est, de ce que je vois à mon avis, de ce que j'ai vu, un énorme jeu de ouf, quoi. Reprenant certaines OST de l'ancien jeu Digimon World. Pff, ah, j'étais dingue quand j'ai écouté ça. Oui, mon précieux, tu l'as trouvé. Je ne pourrais pas te dire à quel point je suis heureux. Ah bah non, mais tu peux me le montrer en faisant un sourire, hein. Tu recevras ta récompense quand tu seras de retour à ton agence. Tu m'as vraiment sauvé la vie. Ou sauvé la peau. D'après ce que j'ai compris, c'était tu m'as sauvé la peau. Tu as sauvé ma peau. Je préfère dire tu m'as sauvé la vie. Je sais pas, ça fait un peu... Ça fait classe, quoi. Voilà, client Wormon terminé. Allez. Oui, l'objectif d'un détective est de trouver les objets. C'est la base, je sais. Lopmon. Lopmon, c'est comme la sous-digivolution de Terriemon, mais en version un peu plus sombre. Enfin, sombre, pas méchant, mais version plus assombrie les couleurs. Si je dis pas de conneries. Je l'aime bien encore. Alors, au forum de Zaxxon, il faut aller trouver son objet. Ouais, c'est ça. En version no. Plus assombrie. Plus assombrie de Terriemon. Je ne sais pas quoi faire. Je suis tellement perdu. Dois-je déposer pour une enquête ou simplement abandonner? J'ai perdu mon précieux dans les alentours de Zaxxon. Ça serait vraiment cool que si quelqu'un me le rapporterait. Tu veux le trouver pour moi? Je ne peux même pas décider de je ne peux même pas déposer une enquête pour elle, non? Si tu le fais, je te donnerai une récompense. Mais ce qu'il faut faire. Ok. Non, non, c'est pas qu'un décalage, mais j'essaie de voir si je disais bien pas de conneries. Alors, oui. Ah, il est là par terre. Ok, d'accord, c'était juste à côté, toi. Mais tu l'as trouvé? C'est mon précieux. Je vais bien entendu t'envoyer ta récompense. Mais quoi? Je ne sais pas encore. Ok, d'accord, donc tu sais même pas ce que tu vas m'envoyer comme récompense. Hein. Tu t'en bats les steaks, en gros. C'est ça, en fait. Hein. Bon. Cette enquête est close. Elle était rapide.
Voilà. Bon, les objectifs de trouver un objet, de la base, ok. Ensuite, propriété de Meramon. Ok, difficulté. Donc il a perdu un objet aussi dans le tour de colo niveau 3. Et si on réussit, ça nous donne le truc de Kouloun. Le truc de Kouloun, la médaille de Meramon. Tous les Digimon que t'aides, ça te donne une médaille. Allez, Meramon. Tu es le cyberdétective? Ou quelque chose comme ça? Ouais, j'ai une faveur à te demander. À toi. J'ai perdu mon précieux. Et c'est pas bon. J'aimerais que tu le retrouves. Ouais. Je l'ai perdu dans les alentours de Kouloun niveau 3. Tu penses pouvoir être un bon ami et aller voir si tu peux me le récupérer pour moi? Je te garantis que je te récompenserai pour ça. Ok? Bonne chance, détective. Ok, on va trouver ton précieux. Ah voilà, c'était une sorte de version avec des couleurs plus sombres que Teriemon, le Lopmon, voilà. Cherchez son nom. Ah, Betamon, Patamon, toi Yakimon, qu'est-ce que vous m'emmerdez? Niveau 33, Méga Kabuterimon et Metal Greymon. Ah, oh, c'est insane, c'est cool. Non, la tête du Tokomon. Bon. Allez. Ok, donc déjà tout est bon. Où est cet objet? Où peut être cet objet de ce petit Meramon? Toute façon, ça va être toujours, à mon avis, alors au dernier endroit que je vais être. Vous allez voir. Dernier endroit que je vais trouver. Comme pour l'autre.
Bon, il a pas l'air d'être ici, hein. On n'a pas l'air. Mais Ramon, je sais pas où t'as foutu ton truc. Mais voilà. Alors là, je suis totalement pas paumé. Mais je me demande où il a foutu son objet. On regarde encore à peu près là et pire, un Digiline, qu'est-ce qu'il y a encore? Ok, mais Digimon qui me parle. Ouais, mais laissez-moi tranquille, là. J'essaie en train de chercher l'objet que Meramon aurait fait tomber. Je ne sais pas. Pas ta bonne tocoron. Ok. Oh bah il l'a tué. Bon bah c'est bien Warbun. T'es bientôt au niveau suivant. Continue comme ça mon grand. Non mais y a rien ici. What is the fuck? Ah il doit bien être quelque part par là. Bon, on prend quand même les combats parce que c'est pas quelque chose qu'on va cracher dessus pour dire non. Mais l'objet, j'espère qu'il est pas où on a rencontré la toute première fois. Comment il s'appelait déjà? Jimken. C'est pas là qu'il est quand même. Est-ce qu'on devrait tester pour voir? Je suis sûr qu'il est pas là-bas. Il l'aurait pas mis jusqu'au bout à ce point-là quand même. Je ne comprends pas. Alors il est bien caché où il a clignoté un endroit que j'ai pas vu. Non, y a rien qui... Non, y a rien qui brille ici. Non, je commence vraiment à... Au pire, on fera une ellipse. Le temps de se retrouver juste à côté de l'objet. Mais je vois pas où il peut être. Alors là, sincèrement... bien tu te cacher. Ouais, c'est vrai qu'on peut changer la vue, on verrait mieux comme ça. Grandir comme ça, hein, ce sera plus facile pour regarder, mais je vois rien. Moi, perso, je vois. Non, je vois rien du tout. Alors là, pour une fois, franchement, il est vraiment bien caché. Où il y a un endroit tout con et que je l'ai pas vu.
Non, franchement, là, je sature. De plus en plus. Non, je vois pas, là. Je pense qu'on va faire une ellipse. Ouais, on se fait une ellipse et puis on s'en retrouvera à l'endroit où c'était. Ouais les amis, on se retrouve. Regardez, il était ici à l'entrée où il y avait mes Ramon. J'étais abusé. Tout ça pour ça. Alors, yeah, c'est ça, c'est mon précieux. Il n'y en a pas deux comme lui. Je vais t'envoyer la récompense dès que tu seras de retour à ton agence. Merci pour tout, cyber détective. Vous avez vu, mon Metagraemon, il bouge. Oh, bah. Oh, bah. Bon. Tout ça pour un truc qui était à l'entrée. Hein? J'aurais su, c'était à côté quoi. Bon. La quatrième c'est à la recherche d'un hacker. Ok, donc à Kulun niveau 2. Ouais, bon, en gros. Cela veut dire en gros qu'il sera pas de haut niveau. Ça veut dire que ce sera ouais niveau 2, on va lui botter les fesses en gros en quelques secondes quoi. Ça va être trop rapide. Bon déjà faut savoir où il est. Et le vaincre. Il a pas l'air dans la première salle déjà. Enfin il a pas l'air. Goblimon, il s'est fait démonter. Voilà, on va mettre la vue comme ça pour mieux voir. Il est où? Bon. Mais Biomon, c'est rare de l'avoir. À moins qu'on l'avait déjà rencontré. Je crois que son scan n'était pas complet à Biomon. Ah bah oui, si si, bah si parce qu'ils ont rien dit donc c'est que c'était bon. Oui oui c'est fais investigation, je suis niveau 30 et 100% de cam. Bon ça c'est obligatoire avec les combats. Ah bah tiens le voilà le hacker. Ça c'est hacker de la blacklist. Lui parler. Bah oui. Avec tous ces Digimon je serai le hacker le plus fort à jamais. Pour toujours. Toute personne qui tente de se dresser contre moi aura un ticket aller-retour pour se faire défoncer. Oh. T'es sûr de vouloir tester ça avec ma team actuelle, hein? Même si j'ai un Warmon, non? Mais c'était alors. Ok.
On va pas se faire chier. Non, si tu tues par Warmon, ça craint. Bah, c'est le cas. Il s'est fait dégommer. Adios amigos, baby. Oh, ça a bien augmenté, 1200. Oh, Gazimon à 100%. Merde, mais Digimon a encore un long chemin avant à parcourir. Je pense que je ne vais pas abandonner. Je vais entraîner mes Digimon et je serai de retour. Attends-moi. Juste attends-moi. Ah, il demande pas, hein. Il fait tu juste tu m'attends, hein. T'as intérêt. Hein. Donc voilà, donc on a Gazimon, c'est cool, donc on va pouvoir comment dire. Ben, on essaiera de le convertir. Bon, il est, je crois qu'il est à 100%, donc à 200%. En gros, dès que la converse est à 100%, vous avez le Digimon, hein, y a pas possibilité qu'il rate. Mais le truc, c'est que si vous faites un Digimon entre 100% de converse et un autre avec... vous faites un autre avec 200%, un exemple, votre ABI sera supérieur à celui de 100. En fait, l'ABI augmente de façon des pourcentages quand vous faites naître un Digimon de son œuf. Si vous avez 100, vous aurez moins d'ABI qu'un Digimon qui a 500. Qui a 100, qui a 200%, qui lui aura un peu plus d'ABI que celui qui aura 100. Et plus vous augmentez le pourcentage de chance, plus il y aura d'ABI et patati et patata. Voilà, donc en gros, on s'en fout, oui, je sais. On s'en balèque. Non, ça peut aider pour certains, en cas où. Si c'est ceux qui savent pas. Bon, allez. Allons donner cette enquête, on fera les 4 pour le prochain épisode. On s'en balèque. Voilà, un niveau rank up, donc training slot. Nickel. Bon, bah voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt et à la prochaine pour la dernière et la suite de nos enquêtes par rapport aux investigations. Et on continuera vraiment à fond l'aventure pour la prochaine fois. Allez, ciao, ciao, Mina.